Bonsoir. J'espère que vous allez bien. J'essaie de me trouver un petit coin d'ombre. Bonsoir à tous. Je vois qu'il y a une personne sur YouTube. Allez, bonsoir à tous. Merci d'être là. On se prend en plein mois de juin quand il faisait grand beau. Avec le soleil, c'est top. J'espère qu'il fera pas trop chaud. Alors Isabelle, première connectée. Bonsoir Isabelle. Caroline. Zainab, j'espère bien le prononcer. Ah, là aussi, ça s'est enclenché. Il y a Joris. Salut Jessica. On t'a souhaité un bon anniversaire, Jessica, dans la vidéo précédente. Je ne sais pas si tu l'as vue. Et Carole, Barbara, Andrea, bonsoir à tous. Karine, bonsoir. Allez, je vais vous connecter. 58, je n'étais pas sûr en avance ce soir. Andrea, bonsoir. Muriel. Yes, Sophie, Laurence, Aminda. Je ne vois rien du tout. C'est une catastrophe. Alors, je change l'angle des vidéos parce que je ne vais jamais vous voir. Il y a Françoise, il y a Sylvie. Alors j'espère ce soir que ça ne coupera pas. J'ai mis le. Alors Facebook est sur la 4G. Donc même s'il y a une coupure, a priori, on est sauvé. En revanche, sur YouTube, j'espère qu'il n'y aura pas de coupure ce soir. Ça fait deux fois consécutif, c'est un peu pénible, donc j'espère que ça roulera pour toute la soirée. Ce soir, renforcement musculaire avec une chaise. Donc on vous invite à prendre une chaise, essayer de trouver une chaise relativement stable et fiable. J'aime bien la séance de ce soir, par contre. C'est une routine, ça veut dire qu'on va faire plusieurs exercices d'affilée et on reprendra la routine plusieurs fois. Donc tout travail, après le haut libre, les abdos, les fessiers, le cardio, enfin, tout va être passé en revue, donc c'est top. Laetitia, bonsoir. Charline, bonsoir. Allez, quelle heure il est? Il est presque 18h. Merci à tous ceux qui nous rejoignent. Merci à tous ceux qui sont là aussi pour la première fois. Je crois qu'il y en a quelques-uns. Eliane, bonsoir. Vous avez vu comment vous m'éblouissez? Je ne vois plus rien. J'attendais. Hein. Je peux vous dire, le rendez-vous de 18h aujourd'hui, j'avais envie de bouger. Hein. Monsieur Herman Pierre, bonjour. Allez, Francine, bonsoir. Burguet, bonsoir. Eh bien, non, il n'est pas tout à fait 18h. Valérie, Charlène, allez, les grands sportifs sont là. Hein. Sandrine, Geneviève, Vincent. Bonsoir, Vincent. Allez, les 18h, c'est bon, on peut démarrer. Allez, je vous invite encore une fois à vous faire de la place. Même si vous n'avez pas beaucoup, beaucoup d'espace, ça devrait pouvoir le faire. Hein. On n'a pas besoin d'énormément de surface pour le cours de soir. Par contre, pensez quand même. Avec le tableau, ça c'est important. Et puis encore une fois, une serviette pour s'éponger et la chaise. Allez, on va partir avec les jambes. Plus ou moins écartées. Vous ouvrez bien les genoux, les pointes de pied vers les extérieurs. Vous sortez les pecs, la poitrine. D'entrée de jeu, vous contractez le transverse. Bien évidemment, vous pensez à votre périnée et vous écartez les bras. Allez, c'est parti, j'inspire. Je relâche, je souffle. Inspirez. Soufflez. Encore une fois. Inspirez et soufflez. Très bien. Ensuite, vous montez les mains au niveau des épaules. Vous checkez bien au niveau de la ceinture abdominale et vous partez en rotation. Avec les bras qui partent dans chaque diagonale. Main droite, diagonale gauche. Main gauche, diagonale droite. Essayez de sentir deux choses, trois choses. Un, que vous êtes bien droit au niveau de la posture. Ça, c'est important d'avoir un bon maintien. Deux, sous la main, lorsque vous allongez la main, il y a un peu de consistance pour vous appuyer sur quelque chose. Et trois, vous essayez de sentir par opposition les abdos qui se contractent et c'est eux qui permettent le travail de rotation. Allez, soufflez bien. Quand vous êtes bien familiarisé avec l'exercice, on peut tranquillement accélérer un petit peu, une dizaine de fois. Le truc à ne pas faire, et surtout en début de séance, c'est ça. Un travail brusque, là vous mettez la colonne vertébrale en torsion et si vous allez vivement sur l'exercice, enfin, si vous le faites brusquement, vous risquez de vous faire mal. Misez vraiment sur le contrôle. Et progressivement. 3, 2, 1. Parfait. Vous enroulez les épaules. Ce que l'on va faire, c'est qu'on va placer les mains au niveau des hanches et petit pas sur les côtés. Voilà. Étape 1. Étape 2, on va chercher à descendre plus bas dans les cuisses. On va essayer d'amortir un peu plus bas. Alors, je rassure tout le monde ce soir. Si vous débutez, ce n'est pas grave. S'il y a des problèmes articulaires avec la chaise, vous allez voir, on peut faire pas mal de choses. Et il y aura des options pour ceux qui pouvaient effectivement ne pas faire certains exercices. Il y aura des options pour tous. Allez, si vous le pouvez, on monte le talon sur la fesse. Et si vous le pouvez encore, vous faites participer les bras devant. Et retour au niveau des hanches. Allez, soufflez bien, longuement.
Et inspirez. J'espère que vous avez passé une bonne journée. Alors, on sait qu'on a un petit moment pour nous là. Déjà, on sait que ça passe vite, donc ça c'est la bonne nouvelle. La nouvelle, c'est qu'on va se faire du bien, on va se détendre, on va éliminer la fatigue nerveuse. On va s'accorder un moment pour nous. Allez, 3, 2, 1, parfait. Vous revenez ici et vous repartez comme tout à l'heure dans chaque diagonale, sauf que vous y associez en plus deux fois les bras en haut, deux fois devant et deux fois vers le bas. Milieu, en haut, milieu et en bas. Allez. Et là, vous pouvez vous permettre de mettre peut-être un tout petit peu plus de cadence. Expirez longtemps, longuement. Essayez peut-être de souffler sur 4 et d'inspirer sur 2 mouvements. Ce qui fait, j'inspire, j'inspire, et je souffle, 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 et souffle. Parfait, encore un aller-retour. De bas vers le haut. Très bien. Le dernier, vous relâchez les bras et vous enroulez les épaules. Good. Allez, expirez tranquillement. 5, 4, 3, 2, parfait. À partir de là, ouvrez les croisés devant en tapant la pointe de pied sur le sol. Quand je dis taper, c'est juste en posant la pointe de pied. Soit vous pouvez vous permettre de monter un tout petit peu avec un petit sursaut pour monter la cadence. Allez. Petit sursaut. Soufflez, soufflez, soufflez. Je n'ai pas su si vous avez eu une grosse courbature de la séance d'avant-hier. Allez, attirez bien les bras. Essayez de sentir que les bras participent au mouvement. Parfait. Si vous pouvez, vous allez déposer le pied droit au sol. Vous faites en sorte de bien garder le genou au-dessus du pied, buste droit, et l'autre genou monte vers la poitrine. Vous pouvez également passer les mains au niveau des hanches. Et si vous commencez ce soir, pas besoin d'aller trop vite. Prenez juste le temps de lever le genou et de déposer la pointe de la même jambe sur l'arrière. Vous avez vu ce beau soleil? Allez, 7, 6, 5, 4, 3, 2, sur la partie. Un tout petit peu plus en fréquence. Vous êtes un tout petit peu plus sur la brièveté de l'appui. Ou alors, vous restez là et vous prenez le temps de souffler. Surtout si c'est un démarrage. Allez, expirez bien. Par contre, dans tous les cas, même si c'est cool. De toute façon, le corps en face, c'est quand même relativement cool pour le moment. Essayez de travailler quand même toujours sur l'auto-grandissement. Prenez la hauteur. Ne vous laissez pas aller justement dans le relâchement. Essayez de contenir justement votre posture. Allez, 3, 2, on change de jambe et c'est parti de l'autre côté. Go. Allez, sentez si possible la dynamique du bras, non pas la précipitation. Le maintien au niveau des muscles dorsaux, ça c'est important. Le dos n'est pas relâché. D'entrée de jeu, il est en tension positive. Les abdos, le périnée. Les 6 dernières. 5, 4, 3, 2, parfait. Vous revenez. On écarte les jambes. On descend les mains sur les genoux et on monte les bras au-dessus de la tête. En bas, j'inspire. En haut, je souffle. Allez. 3, 4. J'ai du mal à faire le cadran. 5, 6, 7, 8, 9. Parfait. Sur la prochaine, vous stabilisez en bas. Vous restez bien. Vous cherchez à bien serrer les abdos. Rotation droite, gauche. Allez. Encore une fois. Par la contraction des abdos, ce qui permet la rotation. Toujours la consistance sous la main. En gros, faites pas ça avec les bras. Là, les bras, ils flottent. Non, j'essaie de sentir que j'appuie, même si c'est virtuel. Soufflez. Expirez bien. Allez, 10, 8, 6, 4, 2. On revient. Dernière fois, où je fais le petit mouvement ici que je tape. On va nous voir un petit sursaut avec les bras. Je n'ai même pas regardé combien vous étiez. Tiens. Ça y est, donc quand même 200, sachant qu'il y en a beaucoup qui ont repris le travail avec 18h, c'est très très tôt. Merci à vous. Allez, soufflez, expirez. Alors, je vais faire un tout dernier exercice pour être sûr de bien préparer le haut du corps. On va monter les bras, on va lever genou droit, genou gauche. Vous descendez les bras lorsque le genou monte. Si en termes de coordination c'est trop galère, vous placez les mains au niveau des hanches. Et vous vous concentrez juste sur le plantier du genou. Par contre, quelle que soit l'option, c'est ça. Hein. Ici, ouvrez la cage thoracique sans jamais relâcher vos abdos. Allez, et pour ceux qui le peuvent, avec un petit sursaut.
Voilà, l'énergie, c'est vous qui la mettez, vous la mettez en allant vers le haut. Sinon, c'est je suis du poids du corps et hop, je prends les impacts avec la gravité. Non, on inverse la tendance. C'est vous qui contrôlez, c'est vous qui pilotez. Donc, c'est à vous de conditionner le mouvement. 10. 4, 3, 2, 1. Et on relâche. Parfait. Allez, je veux vous entendre fort. Il me manque ce check. Il m'a manqué tout le mois d'août. J'étais dans le jardin, en vacances, je checkais avec les coccinelles. Je checkais avec, avec les chenilles. Je me suis retrouvé avec de l'orticaire, j'ai pas compris pourquoi. C'est un truc de fou. On va prendre une chaise, vous allez la placer devant vous. On va commencer avec le premier exercice. On va mélanger les cuisses et travailler sur le haut du corps. Je vous invite à voir un tout petit peu, même si vous n'avez pas soif. Là, c'est quand j'ai voulu checker avec le front long asiatique. Il n'a pas été sympa du tout, il m'a ignoré. Autant vous dire, j'ai un peu mal fait. Allez, vous allez vous mettre devant la chaise, vous allez écarter les jambes. On va travailler par étapes. Vous allez prendre soin d'ouvrir le genou, pointe de pied vers les extérieurs. Quand vous descendez, il ne faut pas que les genoux partent vers l'intérieur, il ne faut pas que les genoux partent trop loin vers l'extérieur. Ça reste vraiment la plomb. La descente, elle se fait dans un axe vertical. On va placer les mains au-dessus du dessus de la chaise. Vous descendez, stop. Une fois que vous êtes là, prenez avec les mains pour contrôler votre posture, engager votre transverse, engager votre périnée. On peut rester ici, si vous commencez ce soir, vous faites 5 secondes comme ça et vous remontez. Petite pause et vous repartez. Ensuite, ça fait, je tire les coudes vers l'arrière et je reviens. Niveau 2, restez que sur cet exercice-là, que des allers-retours ici. Niveau 3, j'inspire, je souffle, je monte en vue au-dessus de la tête et je redescends, je souffle. Allez, c'est parti. Parfait, inspirez là-haut, essoufflez devant. Inspirez derrière, essoufflez devant. Alors vous pouvez faire 5 allers-retours, ce que l'on vient de faire, ou alors aller jusqu'à 10. 7e. On a des nouvelles séquences ce soir, vous allez voir. On va essayer de ne pas se répéter dans les exercices. Ça, c'est un objectif que je fais moi de nos séances. La dernière. Et on revient. Et on prend le temps. On appuie sur les genoux, on serre les abdos, on serre le périnée, on serre les fessiers. Et on revient. Cool. Exercice numéro 1. Exercice numéro 2. Vous allez partir sur la droite de votre chaise. Vous allez placer dans le pied derrière. Fente. Je commence par l'option cool. Fente et je viens déposer la main sur l'assise de la chaise. Je remonte, je marche devant la chaise deux fois et je fais une petite fente de côté. 1, 2, j'inspire et je souffle. Ça, c'est l'option cool. Vous prenez le temps, vous vous familiarisez avec le déplacement, vous faites un travail de flexion dans un plan vertical et là, vous utilisez cuisse et fessiers. Niveau 2, ici, vous faites le même avec un petit sursaut très léger. Bam, 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 transfert droite, bam, 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 transfert gauche. Niveau 3, et bien juste un peu plus explosif. Hop, allez, c'est parti. Faites juste attention de ne pas vous cogner le genou dans la chaise. Et là, c'est ce que je disais. On sent les traces de la séance d'avant-hier. Ah, bonne heure. Je vais faire bien ce coach. Allez, soufflez encore 6 si vous pouvez. Si vous voulez vous arrêter, hop, vous pouvez vous arrêter. Encore. Allez, 3, 2, 1. Et là, on relâche. Cool. Soufflez 2 petites secondes. Pas longtemps, 2 secondes. Ensuite, vous passez assis sur la chaise. De là, vous mettez bien les mains sur le bord de la chaise. Ce qui serait important, c'est que vous sécurisiez la prise, mais surtout, vous gardez bien le poignet. Aligné avec la mouroir. Cassez pas le poignet, sinon vous allez vous faire mal. Donc, tant que possible, essayez de garder vraiment la mouroir et le poignet bien aligné. Si vous ne pouvez pas le faire, mettez-vous là. Petit cercle ici, en essayant de sentir que c'est vos omoplates qui se rapprochent. Les autres, buste droit, épaule abaissée, je descends, j'inspire, je remonte, j'expire. Go. Quatre. Cinq. Allez, accrochez-vous. 6. 7, 8, 9, vous pouvez vous arrêter à 10, vous pouvez vous arrêter à 12, 7, vous pouvez vous arrêter à 15, 18, 19, et là on récupère. Cool, on souffle, on poursuit. Travail de fessier alterné avec le climber pour le cardio. Vous partez sur une position très linéaire.
Donc, quand vous êtes ici, la position des mains, elle est la même, hein, stable sur la chaise, idéal pour les épaules au-dessus des mains. Par contre, le dos, il n'est pas là. Regardez mon dos, il n'est pas rond. Je maintiens ma ligne d'épaule. J'espère avoir un bon placement. Ligne d'épaule droite, nuque alignée avec le dos. Je reste. Ça, c'est exercice 1. Vous levez la jambe droite. Et ici, vous allez faire un petit mouvement. Sauf que si vous faites ça là, avec un mouvement où vous lancez la jambe, le bénéfice ne sera pas le même. Donc, checkez les abdos pour pas cambrer et travaillez que sur la contraction du fessier. C'est la fesse qui produit le mouvement ici. Tout petit. Comme pour les abdos l'autre jour. C'est vraiment l'expiration qui produit le geste. Pareil. Si vous ne pouvez pas le faire dans cette position-là, debout, et vous faites le même exercice ici. Moins de pression sur les poignets. Check les abdos. Contrôle du dos. Et là encore, vous misez. Je contracte la fesse. Allez, expirez bien. C'est pas évident à transmettre la bonne consigne. La jambe est relativement tendue, mais c'est que la fesse qui bosse. 4, 3, 2, et ensuite vous restez ici. En version cool, j'emmène le genou, je change de point de pied. En version 2, dynamique. Même chose, je ne m'enferme pas dans les épaules. Plus 3, ou sinon encore plus cool, je ne peux pas le faire. Marche genou haut, version soft, ou alors petit footing. Si je veux monter à l'ouest, si je peux m'apprendre à appuyer sur les mains. Allez, soufflez. Alors, je parle beaucoup parce que c'est la première rotation. Il faut vraiment que vous ayez toutes les bonnes consignes. Sur la deuxième rotation, je parlerai nettement moins. 5, 4, 3, 2, on se remet en place et l'autre jambe. Allez, go. Si on le fait bien, on sent que c'est la fesse, hein, rien d'autre. C'est surtout la jambe qui prend des mains. Surtout pas de vitesse. Un focus que sur la fesse qui se contracte. 5, 4, 3, 2, c'est reparti. Climbers, go. Et où mon placement d'épaule là? En transverse, mes abdos, mon périnée. Et n'hésitez pas à faire ça, hein, pas d'à-coups. Tout dans le contrôle. Ça reste juste posé et dynamique. 10. 5, 4, 3, 2, 1, parfait. On attaque ici sur la chaise. Option 1, vous vous mettez bien sur pointe de pied. Buste droit, abdos serrés à bloc. Bras devant, et d'ici, vous descendez vers l'arrière légèrement en soufflant. Attention, pas cambrer. Là, c'est mauvais. Ici, gainez bien, dos plat. On souffle, on inspire, on remonte, on expire. Niveau 2, vous levez les genoux. Vous sentez que c'est les genoux qui contiennent la position, vous restez là. Buste droit. En arrière, je me dirais, mais je ne m'appuie pas. Je ne prends pas appui sur la chaise. Niveau 3, on lève. On inspire. On descend en dessous. On inspire en bas et on souffle en montant. On inspire en haut. On souffle en descendant. Si vous sentez que ça fait trop mal au dos ou sur les psoas, revenez ici, pointe de pied au sol. Allez, encore 2. Sortez la poitrine par contre. Dernière fois. Et cool. Dernier exercice de la routine. Vous allez vous remettre face à la chaise. On dégage une jambe. Si c'est la jambe droite, c'est la main droite qui vient sur la chaise. Jambe gauche, main gauche. Option cool. Par contre, buste droit, vous faites la descente par les jambes. Niveau 2, même chose. Petit sursaut, un peu plus cardio. Niveau 3, vous partez avec les jambes écartées, les mains sur la chaise. Vous resserrez les jambes. Vous levez les bras, hop, c'est parti. Descendez par les jambes, n'inclinez pas votre dos en avant. Allez les amis. Vous connaissez l'enchaînement maintenant. On va pouvoir se lâcher sur les séquences suivantes. Allez, 10. Une fois. 4, 3, 2, 1. Et on relâche. Allez, soufflez. On expire. Je vous promets, je vous fais la promesse de moins parler sur les prochaines séries. Allez, expirez bien. Profitez-en pour vous éponger. Je me fais toujours un gros fantasme. Quand je dis ça, j'imagine toujours les clips là. Super esthétique, les gars, les nanas, super bien foutu. La belle serviette qui va bien. Et en fait, la réalité, vous l'avez donc.
C'est pas joli, joli. On fait comme on peut. Allez, on va plaisanter, on va rigoler, mais on va pas prendre non plus un quart d'heure. Vous êtes prêts? Si toutefois c'est trop difficile au niveau cardio, accordez-vous peut-être un peu plus de temps. Ou alors faites l'impasse sur celle-là. Vous n'arrêtez pas, marchez et revenez d'ici 3-4 minutes si vous le pouvez. Les autres, on est parti. Droit, abdos, périnée, c'est parti, go. Allez, soufflez lorsque les mains viennent vers la chaise. Encore 5, si vous le pouvez, ça peut être le break. Septième. Huitième. La prise de mouvement, n'accélérez pas. Misez sur la posture. Et sur la conscience du geste. Et top, c'est reparti. On revient. On prépare, fente. Hop, option cool. Et on enchaîne. Allez, option un peu plus avec le sursaut. Option un peu plus cardio. Est-ce qu'il est droit le dos? Maintenez-le, c'est droit. Allez, les amis. Vous pouvez vous arrêter à 10, à 12. On est déjà à 14. 15, 16. Ça les a bouchés pas vos abdos. Ok, cool. Le 10. Main sur la chaise. Je peux pas incliner. Et petit cercle en arrière. 3, 2, 1. Allez, go. Alors, si vous êtes vraiment, vraiment très fort, vous pouvez faire aussi jambes tendues. Hein. Ça augmente un peu le levier. Ça fait 10, vous pouvez breaker. Le droit devant vous. Dernière. Et on relâche. Parfait. Transfert. Là, ça rigole un peu moins. On se remet en place. On souffle. Buste droit. Ligne d'épaule. Et c'est parti, la fesse. Rappelez-vous, vous pouvez le faire debout celui-là. On va monter un peu la jambe quand même. Et bien la fesse en tension. Le bassin dans l'axe, les épaules dans l'axe, les abdos, le périnée. J'accélère pas la jambe, je contracte. 3, 2, petit climbers. Placé. Option cool. Option je débute. Option j'ai mal au poignet, mais j'ai un peu de cardio. À vous de vous adapter. 4, 3. Deux, on change de jambe. Allez, restez sur les bons focus. Concentrez-vous sur l'exécution. Moi, j'ai confiance en vous. 5, 4, rien au niveau lombaire. 3, 2, 1, climber. C'est reparti. Vous arrêtez là. 5 secondes. 4, 3, 2, 1. On se remet en place. Hop. On s'assoit. Niveau 1. J'inspire. Droit. Engagé. Périnée. Je reste. Et je remonte en flanc. Niveau 2. Ici. Même consigne. Niveau 3. On souffle. Montez dans les deux transitions, en montant et en soufflant. Encore deux fois. Je le redis, si vous avez mal en bas du dos, c'est parce que vous contractez beaucoup le psoas. Donc n'hésitez pas à revenir avec les pieds au sol. Encore une. Et on relâche. Cool. Le dégage côté ou les jacks. Rappelez-vous ça, petit sursaut. Allez, c'est parti. 3, 2, 1, go. Ne tapez pas, hein. Amortissez par les points de pied, demi-pointe jusqu'au talon, puis ensuite avec les cuisses, mais surtout pas de gestes brusques. En fait, les jambes sont la continuité dans l'amorti. C'est pas
J'impacte les cuisses et j'amortis comme je peux. C'est hop, je contrôle et je freine. 5, 3, 2, 1. Et on relâche. Check et check. Allez, prenez le temps, soufflez un peu plus longtemps. On est bien là. Et j'ai moins chaud. Bon, a priori, la wifi tient. La 4G aussi, on n'est pas trop mal. On a passé la barre des 250. Bravo pour la dynamique et la motivation de groupe, on est bien. Allez, je vais souffler. Alors, soit vous avez fait l'impasse et vous revenez, soit vous n'avez pas fait l'impasse et vous adaptez, soit vous êtes au top et vous continuez sur le même régime. J'ajouterai peut-être juste un petit change à la fin. Pour le moment, restez là. Je vous invite à faire 3 respirations, plutôt par le nez. Alors, même si vous avez envie de respirer, prenez le temps et soufflez, contrôlez. Deuxième. Soufflez. Et là, soyez fiers du travail. Inspirez. Il y a du plaisir et il y a de la fierté. Et l'engagement, vous le donnez, c'est vous qui connaissez l'engagement. Allez, on y vient. Troisième. 3, 2, 1. C'est parti. Alors là, vous pouvez peut-être vous permettre d'inspirer sur deux mouvements et de souffler sur deux mouvements. Vous arrêtez là. Essayez de ne pas subir. Il y a une contrainte. La contrainte, elle sera pour tout le monde, quel que soit le niveau. Pas au même moment, mais elle sera pour tout le monde. À vous d'appréhender différemment. Cette difficulté-là, elle ne doit plus en être une pour moi. Ok, top. Et plus on aura d'endurance, plus on aura du travail vraiment avec une bonne condition physique, et plus on passera au travers du temps. Allez, c'est parti. Essayez de sentir que l'axe de travail est vertical. Je ne glisse pas vers l'avant. Ça fait 10, vous pouvez vous arrêter. Vous pouvez aussi vous ralentir. Vous pouvez faire plus cool. Quatre fois. Je me projette, je regarde droit devant, loin devant. Et relax, cool. On passe sur les dips. On souffle. Je ne vous impose rien. Si c'est 5 dips que vous faites, c'est très bien. Vous en ferez 10 dans 2 semaines. On est prêt? 3, 2, 1, go. Le truc à ne pas faire, c'est ça. À vouloir aller trop vite. Vous perdez du contrôle musculaire. On ne triche pas. On en fait moins s'il le faut. Mais on rentre dedans. On va dans le contact musculaire. C'est là où on aura les clés. Hein. Ça fait 15. Encore 2. Good. On souffle. Ça ne sert à rien de chier. Et surtout, ce n'est pas la philosophie de notre groupe. Allez, on se remet en place. Par contre, on va devoir faire des ajustements. Et c'est reparti. Montez bien les jambes. Même si l'amplitude du mouvement est peu importante, restez vraiment sous le contrôle de la fesse. 5, 4, 3, 2, 1. C'est parti, Primus. L'autre. Rappelez-vous le placement au niveau de la ligne d'épaule. Les abdos ne vont pas décrocher au niveau lombaire. L'alignement avec les épaules, le bassin, pensez-y. Trois, deux, un. Allez, c'est reparti. Et on passe sur les abdos.
Je sais pas vous, mais moi ça dégouline. Allez, on passe. Option 1, option 2 et option 3. Je jette un œil sur vous. On est au contact les uns des autres. Je sais que vous faites bien. En tout cas, je sais que vous tentez de bien faire. Il n'y a pas le mouvement, les bras, on s'en moque. Par contre, ici, fixez vraiment le travail sur la contraction transverse et périnée. On revient. On se met en place. Le dégager. Alors, je vais mal dire, on va dégager de droit. Pas ça. Là, la charge est au niveau lombaire. Là, ici. Où les jacks, c'est parti. Go. Oxygénez-vous bien. Ouh. Bravo. Marchez longtemps. Il ne fait pas froid. Allez, oxygénez à la maison, si vous pouvez, faites. Tant pis si vous quittez l'écran en 2 secondes. Marchez, essayez de faire au moins 5-6 mètres. L'idéal, c'est 7 mètres d'affilée. Et marchez. Je vous invite à voir aussi. Pardon, intensité, même si jamais la quatrième séance depuis la reprise. On monte, c'est bien. On monte, mais avec des options. Ça veut dire que vous avez toujours le loisir de redescendre si vous en avez le besoin. Vous pouvez être là aussi et pas avoir la régularité pour rester là. Donc faire un relief, descendre un peu plus bas, rester actif, récupérer, remonter comme vous pouvez. Vous pouvez aussi en faire plus 3 ce soir. On vient de les faire. Si vous commencez ce soir, vous débutez par 3, c'est déjà très bien. Vous pouvez vous arrêter, vous marchez un petit peu, vous suivez, vous regardez peut-être la vidéo encore 5 minutes, histoire de thermoréguler, de relâcher le système nerveux, et vous allez prendre tranquillement un autre. Sinon, je vous propose d'en faire encore 2. Mais prenez le temps et surtout, adaptez-le. Allez, je veux bien qu'on fasse ces 3 respirations. C'est pas parce qu'on récupère là qu'il se passe un truc mauvais. Hein. Le cardio, on a besoin. Au niveau de l'impact, ça n'aura pas un contre-effet, hein, rassurez-vous. On est reparti. J'inspire. Et je souffle. Ça, c'est un focus extrêmement important. Misez sur la respiration. Encore. Et engagez le transverse. Soufflez pour qu'il y ait une véritable intervention sur le diaphragme. Troisième, je pratique la pensée positive. Je suis fier de mon engagement, je suis au rendez-vous. Je ne triche pas. Peut-être que ça fait un peu mal, mais j'y suis et j'y suis avec le groupe. Allez, on se place. Mettez-vous bien en place. On descend la jambe. Et c'est reparti, début de la quatrième. Est-ce que mes épaules sont relâchées? Est-ce que je suis bien placé au niveau du dos? Est-ce que j'ai le contrôle de mon transverse, de mon périnée, de mon relâchement global? Trois fois. N'accélérez pas pour faire le geste, hein, ou donner l'illusion de le faire. Quitte à le faire à moitié, vous arrêtez là si vous n'avez pas la force d'aller plus loin. Mais ne trichez pas. Parfait. On remonte. La fente. 3, 2, 1. Et go, c'est parti. Préserve le droit, ça fait 10, on peut breaker. C'est bien d'avoir cet appui sur la chaise, ça soulage un peu le poids du corps, ça n'empêche pas le travail. 4 fois. 2 fois. Ok, top. On se replace les dips. Là encore, hein, j'enchaîne. C'est le principe de la routine, faire des routines qui s'enchaînent. Si toutefois vous avez besoin de plus de temps, prenez plus de temps. 3, 2, 1.
Go. Ah, ça fait 12. Arrêtez-vous quand vous le sentez. Si ce n'est pas un prétexte, arrêtez-vous. 3, 2, 1. Ok, top. On récupère en dessous. Allez, c'est parti. Les fessiers. Placement. Et go. Après, si vous avez des exercices, ce n'est pas très long non plus. Hein. Le clean burst. Maintien au niveau de la posture, la ligne d'épaule. L'autre côté. Faites attention de ne pas décrocher au niveau lombaire, pas ça. Aspirez bien le nombril. Clean burst. Cool. Les abdos, on se replace. Ouh, le plus dur, c'est la chaîne. Je ne sais pas vous, mais niveau 1, 2 et 3. L'accélérateur pour précipiter. Deux allers-retours. Encore un. Allez, inspirez. Essayez de ne pas être dans la difficulté. On remonte. Ce n'est pas une contrainte. C'est un plaisir. Allez, il faut juste apprendre autrement. Et c'est parti. Alors, pour les deux dernières, pour ceux qui sont au niveau 3 plus, essayez de travailler encore plus sur la brièveté de l'appui. C'est comme si vous pressiez un ressort et vous le lâchez. 10. 5. 4. 3, 2, 1, et on relâche. Oh là 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 là! Allez! Bravo! Et bravo! Ça dit quoi? Check, check, bonsoir. Est-ce qu'on peut démarrer une vraie séance? Ça serait bien que tu enfiles les vraies baskets. C'est un cours pour bon débutant. Allez, ça commence. Vous commencez à nouveau à me charrier comme avant. Après, ça va se traduire en coup de fessier, ça. Et on va être d'accord. Allez, marchez, les amis. Soufflez. J'aime bien le truc, vous savez, comme dans les changements ou les rings ou à la fin d'un match. On est comme ça. Là. On sent qu'il s'est passé un truc. On a besoin d'accrocher la serviette parce qu'on sait qu'on n'a plus de bras. On a toujours, mais c'est bon, c'est dans le style. On y est. On est vaillant. Allez, il va nous rester une seule et dernière routine. Si vous le souhaitez, quelle que soit l'intensité que vous allez choisir, une seule, et si vous le pouvez. Allez, soufflez bien, hydratez-vous encore un peu. Là, on est sur du petit hein. Light intensity training. On dit qu'on n'a pas besoin de faire plus de 30 minutes, on les a faites les 30 minutes. Hein. Donc, on est déjà dans un objectif qui soit de gagner de la puissance cardiaque, de la puissance musculaire, et de perdre du poids, de retrouver de l'explosivité et d'être en forme. Là, on est pleinement dedans. Allez, soufflez bien. On va attaquer la dernière, la toute dernière, et après, on finira par un peu d'ado si vous êtes d'accord. Allez. On s'inspire, on prend le temps. Les trois respirations, je sais que je vous embête, mais c'est important. Essayez de transformer la pensée là. Je ne suis pas dans la contrainte. Je ne suis pas dans la difficulté. Je suis dans le plaisir. Et dans ce plaisir-là, je me fixe un dernier objectif qui est la cinquième et dernière rotation. Et ce n'est pas elle qui aura l'ascendant sur moi. C'est moi qui vais la contrôler. Parce que j'ai le contrôle de mon corps, parce que j'ai le contrôle de la corps.
C'est parti, on se place bien. Et là, il n'y a plus de doute. Il n'y a que du contrôle. On sait qu'on sera plus fort de toute façon, quoi qu'il arrive. Troisième. Quatre. C'est là où je vous kiffe. C'est là où je sais que vous ne faites pas semblant. Je sais que vous êtes là et avec moi. Ça fait cinq, vous avez le droit de vous arrêter. Même si vous étiez à 10 tout à l'heure. La huitième. Parfait. On attaque, les fentes. Allez, go. Misez sur la qualité des appuis et la qualité du transfert. Pas vite. Je soigne mes appuis. Regardez devant moi pour ne pas baisser le haut du corps, pour ne pas vous enfermer vers le bas. Regardez droit dans le cou. Ça fait 10. Il en reste 4. Dernière. C'est parfait. Allez, on se met en place. Les dips. J'inspire. La fatigue, si elle est là, ne peut pas manquer hein, du relâchement. Contrôle. 3, 2, 1, go. Allez, je regarde, je suis avec vous. Vous êtes avec moi. On se la donne cette énergie, on est ensemble. La dernière, et top, cool. Les fessiers, le bon placement, en place, 3, 2, 1, go. Allez, je vérifie bien tous les points de contrôle. Ma ligne d'épaule pour la stabilité, mon bassin dans l'axe. Mes lombaires ne décrochent pas, mes abdos, mon périnée. Et je lance ma jambe, je contracte. 4, 3, 2, 1, go. Autre. Allez, pensez à un truc que vous aimez là. Un truc que vous aimeriez vous accorder. Soyez pas à ce que vous ressentez. Ça, c'est votre ressenti présent. Vous, vous êtes déjà au-delà de ça. Ne serait-ce que laisser une respiration, vous allez déjà avoir fait le chemin. 5, 4, 3, 2, 1, go. Et top. Les abdos. Quand on est là, ça sent bon. On a l'énergie. Ouh. Allez, c'est parti. Quatrième. Cinquième. On ramène. Dégagez. Jack, allez, go. Rappelez-vous ceux qui sont au niveau 3 plus de l'adresse sur les appuis au sol avec les mains. Brièveté, ça ne veut pas dire précipitation. Contrôle musculaire, explosivité, métacalité. 5, 4, 3, 2, 1. Et on relâche. Je suis super fier de vous. Tchouh! Bingo, les amis. Allez, on récupère. On pousse la chaise, on n'en a plus besoin. Je sais pas vous, mais j'ai 40 degrés ici. Alors, c'est gentil, FDJ, c'est aimable. Ouais, c'est dur, hein. Pour ça, je ne connais pas encore suffisamment. Prenez le temps. Ne brûlez pas les étapes. Vous allez voir, on reste ensemble dans 3 mois. On aura nous, il ne sera plus jamais, mais plus jamais le même. Sauf que là, on n'est pas tous avec les mêmes niveaux. On n'a pas tous le même capital. En revanche, on fait la même séance. Donc, optez pour les bonnes options. Dans 3 mois, on sera tous ensemble. Et on accueillera les nouveaux. Oui, prends mon cher. Allez, soufflez. Hydratez-vous, régulez un peu encore au niveau du souffle. Ah, j'attendais cette séance avec vous.
Ça me fait plaisir. C'est le coup du gong. Allez, passage au sol, s'il vous plaît. La respiration, on va la faire allongée. Alors, ça donne au niveau du cadre, ça donne bien. Allez, soufflez tranquillement. Je vous laisse 10 secondes si vous n'êtes pas totalement installé par terre. Oh, le truc qui stresse. Allez, à partir de là, si vous le voulez bien, on prend les trois respirations. On est par le nez longtemps. Pensez déjà, hein, vous avez été au terme de votre objectif. 3 tours, 4 tours, 5 tours, vous avez été au terme. 2, vous avez été responsable de votre intensité. Inspirez tranquillement. C'est vous qui allez contrôler. Et 3, appréciez la fierté d'avoir été au bout là. D'avoir géré, d'avoir tenu, de vous être engagé, surtout d'avoir été là et de l'avoir fait correctement. Top. Allez, ce que je vous invite à faire, c'est placer le pied droit sur le genou gauche. Vous écartez bien les bras, vous décollez le menton de la poitrine, vous mettez juste les épaules en suspension. Une fois que vous êtes là, vous allez souffler. En soufflant, vous abaissez votre cage thoracique et vous essayez de sentir que le transverse s'engage. Donc vous engagez bien la ceinture. Imaginez la plus grosse ceinture du cœur que vous pourriez avoir. Et vous mettez 4 crans à la ceinture. Ici, tout ça, c'est blindé. Les mains dans la tête. On va monter progressivement dans 10 cm d'amplitude. Ça peut être 5, hein, selon votre mobilité. Mais par contre, quand vous montez, ce n'est pas en faisant ça avec les épaules, c'est en faisant. C'est en raccourcissant les segments, en favorisant l'inspiration, que la flexion va se faire. Et on redescend. Allez, c'est parti. Je vous ai mangé la moitié des mots dans la phrase, mais je suis sûr que vous l'avez interprété. Et on redescend, on inspire. Deuxième. Troisième. Alors, je dirais, ne faites pas un exercice d'abdos parce que là, à la limite, je m'en moque complètement. Faites un exercice de conscience. Essayez de vous concentrer sur l'expiration et essayez juste de sentir ce qui se passe. Parfait. Encore. Une dernière fois, et vous restez là. Ensuite, vous avez le genou droit et le coude gauche. Vous allez garder le coude éloigné, vous ne le rapprochez pas. Par contre, vous allez monter pour orienter le coude vers le genou, en gardant bien les deux joints. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, et 10. Et là, vous allez placer le bras tendu à l'extérieur du genou. Vous allez exercer une pression avec le dessus de la main. Là, je vais prendre en l'occurrence l'exemple de ma montre. Je vais écraser le dessus de ma montre sur mon genou. Là, une fois que je suis en rotation, que j'appuie, je crée une tension au niveau des ados. Et vous, vous vous efforcez à lever là, une épaule en soufflant. On souffle. On relâche la pression du bras, pas la ligne d'épaule. On inspire. On exerce la pression avec le bras. On écrase la montre sur le genou. On lève les épaules, on force l'expiration. On relâche la pression, on inspire sans redescendre. Et on appuie. Relâche encore 2 fois. Alors ça peut être 3, effectivement, mais ça peut être 5 aussi. Inspirez. Cinquième. Parfait, revenez avec les mains derrière la tête, on remonte de face, go, et on souffle. Alors, réajustez peut-être les jambes hein, qui ont un peu glissé sur le sol. Ça dépend de votre revêtement, si vous avez des chaussettes, des chaussures. 8, 9, 10, vous gardez les bras à distance et vous repartez sur le travail de rotation. 1, 2, 3. Je ne sais pas si la routine finalement n'était pas plus agréable. Hein, parce que si on fait bien,
On sent les obliques là qui bossent. On sent la taille qui se dessine. Et en même temps, ça fait bien. Et on relâche. Cool. Vous changez rien, si ce n'est les jambes. Moi, je vais changer le pied pour que ça soit plus visuel. Vous inversez bien la position de la jambe. La tête loin en arrière. Et on repart pour 10 à l'inversion. Oh. N'oubliez pas, hein, la consigne essentielle, c'est l'expiration qui produit le geste. Là, c'est l'assurance d'avoir un ventre plat, un dos protégé et aucun problème au niveau des viscères. N'oubliez pas le périnée. On stabilise, on reste en bloc, les coudes à distance, on travaille sur la rotation et on ramène. Et je souffle. Troisième. Quatre. Cinq. Essayez de bien garder la ligne d'épaule en suspension. Six. Sept. Alors, je n'ai pas donné de consigne particulière, mais évidemment que si vous commencez ce soir, et si 10, ça vous fait trop, vous pouvez faire la même sur 5. Une dernière fois. Et on tient. Allez, vous placez le bras opposé, extérieur du genou. On prend le temps d'inspirer. On exerce la pression avec la main en continu. On contracte les abdos. C'est de l'hypopressif. Et on force l'expiration en décollant la ligne d'épaule. Et on inspire. Et on souffle. On inspire. Troisième. Allez bien dans l'expiration. Avec l'expiration comme ça, on est sur la position. Vous devez sentir que ça s'engage réellement. Cinquième, quatrième, pardon. Inspirez. La cinquième, sans crisper sur les épaules, sans crisper sur les cervicales. On remet la caméra dans la tête. Et on monte. Allez, un. Allez, cinq. On repart sur la rotation. Allez, go. Essayez de garder les bras à distance. Même si on est tenté de raccourcir pour faciliter le mouvement, mieux vaut ne pas tricher, aller moins dans la rotation, mais avoir un bon outil de travail que de vouloir compenser. Allez, 6, 7, 8, 9, encore une. Et 10, très bien. Vous éprouvez le besoin de faire un break. Vous faites un break. Si vous pouvez, vous relevez les jambes. Vous gardez la ligne d'épaule, décollez en soufflant. Inspirez, tête en arrière. Alors, si vous commencez, si vous avez des problèmes de cervicale ou si vous sentez que ça tire, ce que je disais à ce moment-là, n'hésitez pas à placer la tête sur la serviette et à tenir. Donc, ça vous aurez plus d'aisance au niveau des épaules déjà, moins de contraintes sur les cervicales. Et maintenant, vous allez inspirer et juste en soufflant, dans l'illusion, on va croire que je ramène les genoux à la poitrine. Là, je l'ai un peu provoqué, mais moi, ce que je vais vous demander, sur l'expiration, de sentir que tranche par tranche, en partant du bas et en remontant peu à peu par l'expiration, vous allez sentir que les genoux viennent à la poitrine, mais également que les fesses, elles se décollent par l'expiration. Si c'est trop dur la tête en l'air, faites-le avec la tête au sol et dans ce cas-là, les bras le long du corps. Prêt? J'inspire et je souffle. Je décompresse et j'inspire. Deuxième. Je vous invite à faire du bruit sur l'expiration. Écoutez ce qui se passe. Même si on n'est, c'est pas clair, on s'en moque. Vous allez sentir comment c'est salé, comment on transverse, bosse vraiment sur le diaphragme. Allez, prenez-en conscience de ça, c'est extrêmement important. Cinquième. Soit vous arrêtez là, soit vous faites un break et vous en faites cinq derrière, soit vous allez jusqu'à 10. Septième. Huitième. Neuvième. Allez, ne tombez pas dans la crispation, le relâchement des bras, le relâchement des cuisses, même si c'est hard. Dixième. Vous stabilisez ici, vous inspirez. Dernier exercice. Vous gardez les jambes en flexion, engagement des ados. Vous y ajoutez la montée des épaules en soufflant. Et là, vous essayez de sentir que c'est statique, certes, mais les épaules sont décollées et les genoux proches de la poitrine. 10 secondes. 9, soufflez bien. 8. Allez, c'est horrible, mais on tient. 6,
5, 4. Allez, les amis, lâchez pas jusqu'au bout. 3. Il n'y a que la fertier qui nous tient là. 1 et on relâche. Pouh, Et ben voilà, encore une séance qui est passée super vite. Mais elle était bonne celle-là. Allez, c'est parti, vous attrapez genou droit poitrine, vite en l'air, jambes gauche sur le sol. Vous allez sentir que vous avez eu un véritable engagement. Et je ne parle pas d'intensité, je parle d'engagement. D'implication musculaire. On change de jambe. Au ponceau. Soufflez bien, relâchez bien les bras, la tête, les épaules. Ensuite, attrapez les deux genoux sur la poitrine. Une fois que vous êtes là, vous allez séparer les genoux, vous allez écarter les genoux, vous inspirez et vous resserrez les genoux et vous soufflez. Une fois que vous l'avez fait au moins 3 fois dans un sens, faites-le également dans l'autre sens. Moi, de mon côté, je suis sûr que vous l'avez fait le travail. Je suis sûr que vous avez été au rendez-vous de la séance. Et je suis sûr que vous l'avez fait avec un bon engagement. Parfait. Je vous invite à venir tranquillement vous asseoir. Ou vous mettre sur le genou. Si vous voulez vous asseoir, mettez-vous plutôt en tailleur. Si vous vous rappelez, ici, cette position-là, ou sur les genoux, si vous avez un problème de genoux. Je vous rappelle que je ne suis pas fan. Là, on était sur des exercices quand même de la bonne intensité. Je ne suis pas fan du stretch derrière. Donc là, je suis plutôt par apaiser, redescendre progressivement au niveau de la respiration, au niveau de la tension musculaire et nerveuse. Et pas forcément les étirements d'ailleurs. Je vous invite à passer les mains derrière la tête, tirer les coudes en arrière, inspirer, charger les poumons en oxygène et sans appuyer sur la tête, vous rapprochez les coudes, vous enroulez les cervicales et vous soufflez. Encore 2 fois. Allez, une dernière fois, encore une fois, même si je n'ai pas envie de me répéter. Pensez à votre engagement. Il faut être à l'heure pour faire l'exercice ou en replay, peu importe, mais vous êtes là, vous êtes au rendez-vous, vous ne rechignez pas. Vous pouvez juste être fier de vous et de votre travail. Soufflez bien. Et relâchez. Je suis très content. A priori, on n'a pas de problème de wifi ce soir. Dieu merci, donc tout va bien. Merci à vous d'être au rendez-vous. Merci pour votre présence. Pensez à vous hydrater. Attendez avant de prendre la douche. Sautez pas la douche si vous pouvez. Prenez 10 petites minutes. C'est de bien manger, de bien récupérer aussi. Et nous, on se retrouve mercredi soir, si vous pouvez, pour une séance un peu plus force et mobilité. Je vous souhaite une bonne soirée à tous. Merci encore une fois du rendez-vous. Et ben, je vous kiffe, ça faisait longtemps. Je vous kiffe. Salut!